Salut tout le monde, c'est Fuse! Aujourd'hui, nouvel épisode de l'admin series. Bon, aujourd'hui, je ne vous cache rien, l'heure est grave. Bon, alors, l'heure est grave, tout est relatif. Hein. On a plus ou moins réussi à garder le contrôle, mais ce que vous allez voir pendant la vidéo, ça risque de pas mal vous impressionner parce que bah, j'ai été pas mal impressionné moi-même. Bon, en gros, l'autre jour, je me suis connecté sur mon Gmail et j'ai reçu un mail particulièrement inquiétant. Quelqu'un a trouvé un bug de duplication et veut give du pala à tout le monde. Ok, bon, déjà, premièrement, ça sent pas très bon. Je te contacte aujourd'hui pour t'avertir d'un truc particulièrement urgent. Il y a quelques temps, j'ai rejoint la facture Blue sur le serveur. Bon, il a dit facture, mais je pense qu'il voulait dire faction. Au début, tout se passait bien, mais au bout de quelques temps, notre chef... A commencé à avoir des problèmes avec le staff et a fini par se faire bannir. Et notre faction a été disband par le staff. Oui, j'ai volontairement caché le pseudo parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un gros cheater qui apparaît dans les vidéos, il y a plein de personnes qui le retrouvent et qui vont l'insulter et après, euh, bah, ça peut retomber sur moi. Donc, je vais essayer de faire un minimum attention quand je cite les pseudos. Donc, en gros, pour résumer, on a un joueur qui a été recruté dans une faction qui s'appelle la Blue Zelle. Au début, tout se passait bien, il n'y avait pas de soucis. Et puis, le chef, qu'on va appeler. Euh, Laurent, allez au hasard. <laughs> yeah Il s'est fait bannir du serveur. Bon, du coup, ça a entraîné plein de problèmes avec la faction, et le staff s'est dit, bon, ok, là ça part en cacahuète, on va disbandre la faction, comme ça ça va réduire un petit peu les tensions un peu dans tous les sens. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, ce Laurent Il est ensuite venu avec des altes, et il a commencé à cheat, x-ray, etc., et il commençait à dire qu'il voulait foutre le bordel sur Pala, give plein de Palladium, etc. Bon, là, vous voyez que ça commence déjà à sentir un peu le roussi. L'autre jour, il a profité du bug de duplication qu'il y avait sur le serveur pour faire des réserves énormes de stuff, et il a attendu. Pour qu'il n'y ait plus possibilité de faire un rollback pour le distribuer. Ça, je vous l'avais expliqué dans une ancienne admin series il y a plusieurs semaines. Bon, pour ceux qui n'ont pas tout compris ce que cette personne disait, en fait, ce qui se passe sur Palladium, c'est que tous les jours, sur les serveurs, on fait ce qui s'appelle une backup du monde. C'est-à-dire qu'on sauvegarde l'entièreté des serveurs, comme ça, si jamais il y a un problème, on peut faire ce qui s'appelle un rollback. Par exemple, s'il y a de la duplication sur le serveur et vraiment qu'on ne peut rien y faire, on peut récupérer les sauvegardes de la veille, les remettre sur le serveur, et du coup, ça remet un jour en arrière, enfin, ça remet le serveur. Comme il était un jour en arrière, mais il n'y a plus les problèmes de duplication. Sauf que, évidemment, dans la mesure où les backups de tous les serveurs ça représente plusieurs centaines de gigas tous les jours, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas garder des backups de il y a trop longtemps. Ça coûterait beaucoup trop cher en espace de stockage. Puis, même au final, au-delà de une semaine de backup, on ne peut pas faire un rollback de plus d'une semaine. Imaginez, vous vous farmez comme un gros taré pendant une semaine sur le serveur, et à la fin de la semaine, il y a un rollback de une semaine entière. C'est juste énorme. Du coup, cette personne elle sait très bien qu'on ne peut pas utiliser des backups de il y a trop longtemps sur le serveur. Du coup, ce qu'il veut faire c'est vraiment ruiner l'économie du serveur. Il veut prendre des milliers et des milliers de palladium et les distribuer gratuitement à tout le monde, histoire que le palladium ne vale plus rien. Je pense franchement qu'il a dupli plusieurs milliards de blocs de palladium au moins. Je te passe les coordonnées de la base à laquelle j'ai été TP, mais je suis sûr qu'il en a mis plein d'autres dans des BP un peu partout sur la map. Donc faites attention. Bon, ensuite il m'envoie les coordonnées de la base en question, et là pour le coup j'ai très peur d'aller voir si jamais c'est pas du fake. Si c'est pas du fake, je vous jure, on va vraiment tomber de haut. Alors j'ai l'impression en tout cas, selon ce qu'il me dit, c'est que c'est même... Enfin, la Personne là, le Laurent, euh, la personne qu'on appelle Laurent, elle est carrément pas tout seule dans cette affaire. J'ai l'impression qu'en fait, il a pris la totalité des personnes de la faction Bluzel qu'il avait, qu avait fondée et il les a un petit peu amenées dans, 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 dans son bordel quoi. Alors le seul problème, c'est que la faction en question, elle a été disbande. No faction or player matching Bluzel. En gros, disbande une faction, ça veut dire qu'on la décompose, c'est-à-dire on supprime la faction. En fait, toutes les personnes qui étaient dedans, ils sont kickés de la faction et voilà, la faction n'existe plus. Donc on a vraisemblablement aucun moyen d'avoir la liste des personnes qui euh, veulent potentiellement foutre le bordel sur le serveur. Aïe aïe. Aïe. bon le seul avantage c'est qu'on a le pseudo du leader du gang des cheaters et aussi apparemment les coordonnées de leur base principale parce qu'apparemment la personne qui m'a envoyé le mail elle a été téléportée dans cette base donc je pense que c'est un petit peu leur QG là où ils veulent euh, vraiment foutre le bordel et on peut oula attendez <laughs> attendez je, je rêve ou je rêve pas là il y, y, y a de la bedrock dans leur base attendez mais euh, alors attendez, on va descendre parce que là ça, ça, ça me fait un peu ça me fait un peu flipper là mine de rien là ce que je suis en train de faire ça ressemble un petit peu à un pillage ok, okay bon là je viens d'arriver dans leur base Et regardez, il y a bel et bien de la... Ah non, c'est pas de la bedrock. Ouh. Ah oui, d'accord, ça me rappelle. Ok, bon, ça va. J'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il... Parce que en vrai, il y a aucun moyen d'avoir de la bedrock sur le serveur. Ça, c'est juste impossible. Parce que encore une fois, je veux bien croire qu'il y a un bug de duplication qui permet de dupliquer énormément de palladium ou ce genre de choses. Mais par contre, avoir de la bedrock, c'est juste impossible sur le serveur. À part si un admin ou un super modo, modo leur en a donné. Donc ça, par contre, ça pue vraiment si jamais ils avaient eu de la bedrock. Je crois, je crois même en fait que même moi, en tant qu'admin, je peux pas me giver de la bedrock parce que... Ah non, si, si, je peux, je peux, je peux même la... Ok. Non, bon, ça va. En fait, c'est parce qu'en début de V5 sur Palladium, on avait carrément bloqué la Bedrock. C'était juste impossible de l'avoir dans l'inventaire. Même pour les administrateurs, même pour les supermodos, personne ne peut avoir de la Bedrock dans son inventaire. Bon, si jamais il y a certaines personnes qui comprennent quand même pas comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir de la Bedrock, en fait, sur Palladium, il y a un truc qui s'appelle les Ghost Blocks. Les Ghost Blocks, en fait, ils prennent l'apparence exactement du bloc à côté desquels, du, duquel ils sont placés. Donc, par exemple, si jamais je poste un Ghost Block à côté d'un bloc de quartz, vous pouvez voir que le Ghost Block prend exactement la même texture que le, le bloc de quartz. Donc, en fait, pour mettre de la bedrock, rock Dans votre base, en décoration c'est assez simple, il suffit juste de casser tous les blocs qu'il y a autour de la bedrock, ensuite vous placez des ghost blocks et euh, bah voilà. Alors par contre, faut pas qu'il y ait de stone à côté parce que sinon ça prend instantanément le, la texture de la stone. Mais vous pouvez voir que bon, c'est un petit peu relou à faire, mais vous pouvez voir que vous pouvez assez facilement faire des piliers de bedrock et ce genre de choses. C'est d'ailleurs la technique qui avait été utilisée par Nezet pour faire de la décoration avec de la bedrock dans sa base, ça, ça m'avait vraiment impressionné sur le coup. Bon, là maintenant, là pour le coup, maintenant que je connais la technique, voilà quoi, ils ont mis des ghost blocks partout. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est un rapport avec le titre que j'ai mis. J'ai trouvé de la bedrock dans sa base, mais à ce jour, c'est l'un des épisodes de Palladium les plus vus de toute ma chaîne. Bref. Ok, donc là on est à l'intérieur de leur base. Et déjà, premièrement, il n'y a pas tant de coffres que ça. Donc, ça c'est assez intéressant. J'ai déplacé la machine à dupli. Uhum. Alors, déjà, ils sont quand même sacrément débiles hein, d'écrire ça sur un panneau. Parce que moi, si je suis un super modo ou même un membre du staff qui me téléporte un petit peu aux gens pour, 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 pour vérifier, Enfin je veux dire, si je vois ça sur un panneau, je me dis. <laughs> ils sont sacrément teubés quand même. Enfin bref, du coup, euh, qu'est-ce qu'on a Ok, d'accord. <laughs> on a des. Oh non Oh là là Ok, bon, là pour le coup, là, là c'est vrai, c'est totalement vrai, c'est full duplication. Alors, pour ceux qui savent pas tout simplement ce que c'est, ça. Ça, c'est des clés qui permettent d'ouvrir des box en andium. Bon, si jamais vous suivez mes épisodes de Palladium, vous savez très bien ce que c'est. C'est vraiment pas bête, en fait, pour nous embêter de dupliquer les clés en andium, j'y aurais même pas pensé. Mais euh, ouais, non, du coup, ça, ça en fait beaucoup. Hein. Sachant qu'une clé en andium, ça vaut 800 000 dollars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Ici, on a, si jamais ça veut bien s'ouvrir, ici, on a des plastrons. En gros, ils ont fait la duplication du, du full stuff dans tous les sens. Ok, alors là, là, pour le coup, là, je, je vais directement... Alors là, j'étais en train de regarder ce qu'il y avait, mais ça, je vais directement le retirer parce que ça peut juste foutre en l'air les... Économie du serveur complètement. Ça, c'est de l'endium. C'est vraiment tous ces trucs-là, c'est full endium. Donc, on va casser ça tout de suite. On va se faire un plaisir de détruire ça. Ça pue la doublie, mais à plein nez. Sachant que là, sur le serveur actuellement, il y, y a personne qui a un full stuff en endium. Enfin, l'endium, c'est tellement rare. C'est vrai que là, ils auraient vraiment pu foutre en l'air l'économie. Et ça me fait un peu flipper parce que, vu qu'on n'a pas les, le, le nom de toutes les personnes qui sont dans l'affaire, là dans l'affaire de duplication, ça pue vraiment. Parce que le problème, c'est que, bah, ils ont dû cacher des choses un petit peu à droite à gauche sur les maps. Donc, ça, ça sent pas très bon. Et derrière, regardez ce que je vois derrière. Alors ici, un Clipboard, oh ça c'est génial. Alors, ça, ça c'est une pièce, c'est une pièce maîtresse pour, euh, pour l'inculpation de, des personnes qui ont fait, qui ont fait ça. J'aimerais bien juste pas casser le clipboard. En gros, c'est un clipboard avec la liste de leurs objectifs pour foutre le bordel sur le serveur cacher des drawers sur la map, 100 millions de blocs au market. Ah, en gros, ce qu'ils voulaient faire, et ça je l'ai déjà vu dans les affaires de duplication, mais ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient mettre des blocs de palladium dans le market en vente pour genre vraiment pas cher du tout. Et du coup, ça, ça aurait eu pour effet bah, que tout le monde aurait. Acheter des blocs de palladium au market et ça aurait complètement détruit le prix du palladium sur le serveur. Alors faut savoir qu'en fait, de base, sur palladium, on fait des trucs qui empêchent, enfin qui réduisent, si jamais il y a des personnes qui dupliquent comme les personnes ont dupliqué là, qui empêchent de facilement distribuer des, des quantités énormes de palladium au spawn. Alors déjà, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a empêché le drop des items dans les spawns. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui s'amuse à dropper du palladium dans le spawn, et eh ben il pourra juste pas. Parce que je me souviens qu'en V2 et en V3, il y avait des mecs qui avaient trouvé des bugs de duplication et qui s'étaient amusés à faire un guide. Oh attends, attends, mais qui. Il... il fly ou c'est un... Un supermodo Non, ok, c'est un supermodo. Oui, bon, en fait, c'est pas vraiment un supermodo, c'est un responsable. Oui, parce que à chaque fois, je me fais engueuler parce que j'appelle les responsables supermodo et inversement, mais je, je confonds tout. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'il y avait des dupliqueurs qui s'amusaient à faire des dons gigantesques de palladium dans les spawns. Et ouais, c'était un assez gros bordel. <laughs> ok, et visiblement, nos cheaters, ils avaient un objectif, c'était de récupérer du palladium vert. Uhum. Ok, donc apparemment, là, ça, ça leur a pas suffi d'avoir des centaines de, de blocs d'andium là. Ils voulaient aussi détruire le prix du palladium vert. Ok, ça c'est intéressant. Ah, et oui, j'ai oublié de vous le dire, mais la personne à qui appartient cette base, en tout cas le chef des opérations, le, le cheater Laurent là, je l'ai banni du serveur parce que oui, ça aurait été un petit peu embêtant si jamais il s'était connecté en plein milieu de mon raid. Je vais me faire un plaisir de détruire du coup ce qu'il y a dans ses coffres, c'est full stuff. J'ai d'ailleurs récemment découvert que les palladium spikes. En fait, ça marchait comme les cactus. C'est-à-dire que si jamais vous jetez un item sur un Palladium Spike, bah les items sont détruits. Alors voilà, bon bah je, je déco Ah bah tiens, ils ont carrément une poubelle ici. <laughs> poubelle à Pala, lol. Ok, bon bah ouais, c'est vraiment des gamins. Hein. <laughs> ils sont tellement riches qu'ils s'amusent à acheter le Palladium dans la. Ok, bon c'est intéressant. Bon alors là aussi, on a. Oh là là, oh là là, ça crée énormément de lag, mais de, de, de lag. Mais on va détruire aussi toutes les clés. On va détruire tous les plastrons également. Hop. Ils ont aussi des petites jambières. Qu'on va se faire un plaisir. Putain, je pense que là, les, les joueurs les plus pauvres de Palladium doivent un petit peu avoir mal au cœur. Parce que là, je détruis l'équivalent de, de quantité de Palladium juste incroyable. Mais bon, c'est du Palladium dupliqué. Donc euh, voilà, on a encore des, des petites épées. Allez, on se fait plaisir. En vrai, oula, oui, les bots. Ok. <laughs> en vrai, ça a quelque chose de satisfaisant. Oh, il y a des sticks aussi. Des Sticks of God. Allez, on, on dégage. Ça a quelque chose de satisfaisant de détruire du stuff comme ça. Enfin, je, je sais pas pour vous, mais moi, je, je, je trouve ça sympa. J'aurais dû mettre ça dans ma vidéo des trucs satisfaisants. Bon, je m'excuse d'avance si jamais je galère à parler. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui j'ai mal dû dormir ou enfin j'en sais rien <laughs> Alors, qu'est-ce qu'on a ici Ouh, mais dis donc, c'est intéressant Ah d'accord, oui, non, ça déjà je sais ce que c'est. En fait, ces trucs-là, bon, c'est écrit sur le nom des stuffs, mais c'est des stuffs qu'on obtient seulement dans les Andium Box. Donc c'est très intéressant de voir qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert des tonnes et des tonnes d'Andium Box. Je pense que c'est justement pour essayer de récupérer du Palladium vert, parce que comme on l'a vu juste avant, ils avaient pour objectif de récupérer un lingot de Palladium vert, sûrement pour le dupliquer. Alors le truc c'est que je voulais expliquer un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais normalement le bug de duplication en question que la personne a utilisé il a été réglé. Puisque dans son mail, la personne parle du bug de duplication qui était présent l'autre jour sur le serveur. L'autre jour, ça veut dire, enfin pour moi en tout cas, c'est le bug de duplication dont j'avais parlé sur le dans l'admin series. Mais je dois avouer que ce panneau il me rajoute un petit peu de confusion. J'ai déplacé la machine à dupli, alors ça voudrait dire qu'ils auront une autre machine à dupliquer, ça me paraît un petit peu étrange. Ou alors c'est peut-être un panneau qui date de avant qu'on ait réglé le bug de duplication, ça je, je sais pas. Ouais, bon, du coup, ici ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est qu'ils se sont amusés à ouvrir un maximum d'endium Box pour essayer justement de récupérer du Palladium Vert, donc on va se faire un plaisir de casser tout ça en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils ont des, pal les, des palladium spikes à l'intérieur des coffres, donc on va pouvoir s'en servir pour casser les items. Et à de ce. Ok, alors pourquoi est-ce que je saute quand je. Quoi ce bordel Vous n'avez pas de clé pour ouvrir une box en endium. What Ok, alors là par contre, c'est assez grave ce qui se passe. À l'intérieur de leur base, ils ont une box en endium. C'est-à-dire qu'en en gros, si jamais ils ont des clés, ils peuvent ouvrir les box en endium directement ici. Par exemple, là on est sur le serveur Yara, ça c'est une box en endium. En gros la, la box en endium c'est juste un bloc sur lequel on peut utiliser nos clés en endium le truc c'est qu'il faut vraiment avoir les permissions d'administrateurs pour setup la box donc le fait que eux ils aient une box en endium à l'intérieur même de leur base je vois que deux possibilités la première c'est qu'ils ont trouvé un glitch à l'intérieur de notre plugin de box la deuxième c'est qu'un administrateur un super modérateur un responsable ce que vous voulez quelqu'un qui a des pertes sur le serveur leur a installé dans leur base bon je pense franchement que c'est la première solution mais ça me semble quand même incroyable quoi enfin c'est waouh bon je vais me faire un plaisir quand même de retirer la box ici. Alors le truc en fait, la façon dont fonctionne les box, c'est que même si jamais vous retirez le bloc de la box, si jamais vous reposez un autre bloc à la place normalement, ça marche voilà, ça marche toujours comme une box. Parce qu'en fait, peu importe le bloc qui est ici, ça sera toujours considéré comme une box. Vous voyez que là, il y a toujours marqué endium box. Je crois qu'il y a une commande qui permet Ouais, OK, voilà, c'est bon. On s'est débarrassé de la crate qui était ici. Bon on va passer à cette partie là de la base Qui me semble un petit peu abusée Donc déjà je vois qu'on a des drawers Alors même sans les ouvrir je, je, je sais déjà que c'est abusé On a des compacting drawers avec du palladium à l'intérieur Et le truc le plus intéressant c'est qu'on peut voir Que le contour est vert Si le contour est vert ça veut dire qu'ils ont rajouté une upgrade sur le drawer Pour pouvoir stocker encore plus de blocs de palladium qu'un qu drawer de base Donc je pense qu'il y a allez, environ 100 000 blocs de palladium par drawer Allez on va partir là dessus Ah non il y, y en a que 1600 d'accord Ok bon bah je, je suis un petit peu déçu je dois vous Bon du coup il y a 15 000 lingots de palladium dans chacun des drawers qui est ici. Je pense qu'on va se faire un petit plaisir de les détruire, hein, ces drawers. Alors par contre le seul truc c'est que les drawers on peut pas les détruire. Oh bah c'est nickel, il y a de la lave en dessous, nickel. On peut pas détruire les drawers par devant, on est obligé de le faire par le côté. Oh c'est magnifique. Enfin, ça, je... Oh mince, j'ai cassé un autre coffre qui contenait du stuff. Bon en même temps, hein, c'est du stuff dupliqué, je pense. Mais ouais, il y avait l'air d'avoir des trucs un petit peu dans tous les sens ici. Bon, on va se faire un plaisir de les détruire. Bon, ça en fait quand même pas mal, hein, des drawers, mine de rien, c'est quand même une, une sacrée mine d'or. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui aimeraient bien être aussi riches que ça. Moi le premier. <laughs> encore une fois dans son mail, la personne elle me dit que Laurent il voulait distribuer plusieurs milliards de blocs de palladium sur le serveur. Là même si on en avait que 15 000 par drawer, c'est très loin du milliard. Donc euh, ça me fait un peu. Oh mais bah, dis donc, qu'est-ce que je vois Un magnifique coffre rempli de palladium. Et le reste des drawers ici, donc ça c'est tout ça c'est des drawers qui sont dupliqués avec je suppose exactement voilà exactement la même chose que ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire encore une fois du palladium. Attends, combien de palladium ça représente Attends on va... on va faire un petit calcul. Sachant que dans un stack de drawers il y a 64 fois 15 000 palladium. Donc dans chaque stack de drawers, on se retrouve avec plus ou moins 1 million de palladium. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a que 12 millions de, blocs de... Enfin, 12 millions de lingots de palladium. C'est franchement pas beaucoup. Hein. Moi je m'attendais à plus hein, pour la part de, de la part d'un dupliqueur de génie. Hop, je vais juste récupérer le casque, comme ça on pourra y voir un petit peu plus clair. Et je vais me faire un plaisir de détruire ça. Et là encore, il y a quelques blocs de palladium. Ok, bah écoutez, c'est assez intéressant. Il ne nous reste plus qu'un truc dans cette base à observer. C'est ce drawer. Qui a l'air de contenir de l'obsidienne 4800 d'obsidienne Je suis très déçu hein. 4800 d'obsidienne pour des dupliqueurs comme ça ça me semble franchement rien du tout. Ok, bon bah écoutez, on a fait un petit peu le tour. Maintenant, ce qu'il faut faire attention c'est vérifier qu'il n'y a pas de coffre caché un peu à droite à gauche. De toute façon, je pense que la base, je vais tout simplement la cut. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Waouh donc c'est magnifique. On peut voir que c'est par ici qu'ils ont récupéré, voilà, les les ghost blocks qui permettaient d'afficher leur, leur bedrock un peu partout. Pour l'instant je vois pas de coffre caché dans la zone, mais je pense que le, le plus simple en fait pour essayer de trouver des coffres cachés, ça va être d'utiliser des cave blocks. Voilà, j'ai installé des murs de cave blocks entiers. On peut voir que là-bas il y a un là-bas il y a un spawner. Peut-être qu'ils ont caché des choses dans le spawner. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la zone Là-bas il y a un mine shaft dans la lave qui est un petit peu autour. Je je vois pas de, de coffre, même pas ici. Ok bon ça va. ils ont ils ont été raisonnables. Ils ont pas caché de coffre dans la zone de leur base principale Je vais juste aller checker le spawner Même si je pense qu'il y aura rien Ok mon intuition était bonne Il n'y a absolument rien du tout dans cette zone je suis aussi en train de checker, voir si jamais il n'y a pas une skybase dans la zone mais j'ai pas l'impression, donc on a l'air d'être plutôt safe sur ce point là, donc ça c'est une bonne nouvelle ok donc le problème principal est réglé, maintenant on a deux autres petits problèmes en tant qu'administrateur, le premier c'est qu'est-ce que foutait une box en indium à l'intérieur de leur base, alors ça on va faire tout de suite une petite, euh, une petite investigation je vais regarder dans les logs si jamais il n'y a pas un responsable, un supermodo ou un admin qui aurait pas par hasard set up une box dans la zone, euh, dans, dans la zone en question, et le deuxième truc qui m'inquiète vraiment c'est que ça c'était leur base principale mais c'est évident qu'ils avaient des petites bases de backup un petit peu partout sur la map. Faut savoir que ce qui s'est passé lors du bug de duplication c'est que on a fait un scan de map. En gros ce qui se passe c'est qu'on va checker la totalité de tous les coffres de toute la map voir si jamais ils contiennent pas des quantités anormales de palladium ou d'endium. Le fait est que je sais que le jour où on a réglé justement le bug de duplication on a fait un scan de map et on a retiré plusieurs milliards de blocs de palladium et d'endium, enfin voilà on a retiré des tonnes et des tonnes de ressources de la map qui avaient pas été obtenues de façon legit. Donc est-ce que par Hasard, on aurait pas raté quelques bases de backup un petit peu à droite à gauche sur la map, c'est possible parce que je vous rappelle quand même que là ils avaient quand même une base avec des tonnes et des tonnes d'endium à l'intérieur, mais ça me paraît quand même assez incroyable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner un petit peu dans les logs sur la faction Blue Zelle. je vais essayer de récupérer la liste des membres et je vais regarder dans les logs les coffres qu'ils ont posés, etc. Enfin, voilà. On va essayer de trouver le reste du palladium qui a été caché. OK, pendant que mon fuse parallèle est en train de vérifier les logs du serveur, je voulais revenir sur la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne. Vous avez pas pu passer à côté mais j'ai sorti une vidéo sur Roblox hier. Alors c'est vrai que c'était assez stressant pour moi parce que je sortais un petit peu de ma zone de confort et pour la première fois depuis plusieurs années, je sors autre chose qu'une vidéo sur Minecraft. <laughs> Alors, je ne vous cache pas qu'au début, les retours étaient pas mal négatifs sur la vidéo en question. Alors, j'ai pris conscience de ces commentaires négatifs, certains étaient très constructifs, donc bah écoutez, euh, ça fait du bien de temps en temps de se prendre une grosse claque et d'avoir des commentaires constructifs. Mais il y avait aussi pas mal de commentaires qui piquaient un petit peu, du style « Fuse, ta chaîne c'est du Minecraft, fais pas autre chose, on veut que du Minecraft. » Alors, je suis d'accord que certaines personnes ne veulent voir que du Minecraft sur la chaîne, et ça, il n'y a pas vraiment de problème. Le fait est que je compte pas changer de jeu principal, c'est-à-dire que ma chaîne sera toujours principalement basée sur du Minecraft, mais de temps en temps, c'est vrai que j'ai envie de tester d'autres choses à droite à gauche et bah je pense que c'est quand même mon droit dans la mesure où c'est ma chaîne de tester des choses différentes alors par contre il y a deux points sur lesquels j'étais un petit peu maladroit j'ai pas assez appuyé sur le fait que la vidéo d'hier c'est pas une vidéo qui remplaçait une autre vidéo Minecraft très clairement hier j'avais pas d'inspiration pour sortir une vidéo bien sur Minecraft donc je me suis dit bon bah on va faire on va tester quelque chose on va faire du Roblox donc j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui disaient ouais tu nous attends t'as changé t'arrêtes le Minecraft etc donc non ne paniquez pas je n'arrête pas Minecraft le truc c'est que quelques temps après que j'ai posté la vidéo après que tous les commentaires un petit peu négatifs soient passés et bah finalement l'espace commentaire il s'est un petit peu calmé et maintenant j'ai pas mal de commentaires positifs des gens qui ont apprécié la vidéo enfin, voilà ça, ça fait assez plaisir donc je pense que je referai sans doute une ou deux vidéos sur Roblox alors je ferai pas 50 vidéos par semaine sur Roblox donc ne paniquez pas mais je pense que si je le fais je le ferai en plus des vidéos Minecraft c'est à dire que par exemple je sais pas je sortirai euh, deux vidéos une journée au lieu de une comme ça on pourra pas venir me dire Fuse tu remplaces du Minecraft avec du Roblox donc euh, voilà non ne paniquez pas vous aurez toujours 7 vidéos par semaine de Minecraft et de temps en temps vous aurez peut-être des vidéos en plus sur d'autres jeux donc pas forcément Roblox ça peut aussi du arc j'avais envie de faire du arc pendant un moment et voilà en vrai ces dernières années sur YouTube je suis pas mal bridé sur ce que je pouvais faire et ce que je pouvais pas faire sur YouTube et c'est vraiment hyper frustrant en tant que créateur de contenu et voilà je pense que si jamais je continue à me, me brider comme ça ça va finir par réduire la qualité des vidéos Minecraft parce que je vais me sentir bloqué dans ce que je fais et j'oserais plus rien tenter de nouveau donc euh, voilà écoutez je, je, je peux comprendre que certains n'aient pas spécialement aimé euh, la vidéo Roblox il y a pas de souci tout le monde n'aime pas Roblox il y, y a pas de problème mais euh, voilà essayez d'être un petit peu compréhensif quand je teste des nouvelles choses sur la chaîne c'est juste tout ce que je vous demande et et ne paniquez pas, Minecraft ça ne s'arrête pas. Ok, bon, je reviens de mes recherches dans les logs et j'ai trouvé des choses assez intéressantes, notamment concernant l'endium box qui était à l'intérieur de la base de la blouselle. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire la blouselle dans la mesure où la faction a été disbande, mais bon voilà. J'ai regardé dans les deux derniers mois, il y a aucun responsable, il y a aucun admin, il n'y a aucune personne qui a des permissions sur le serveur qui a installé une box à l'endroit justement où était la box qu'on a trouvée dans leur base. Mais par contre, notre cher Laurent, lui, il a exécuté quelques commandes un petit peu bizarres. Donc j'ai fait quelques recherches supplémentaires et je me suis rendu compte que apparemment dans le plugin qu'on utilisait pour faire les box, il y avait euh, une petite exploit qui permettait justement de placer des box où on veut. Alors ça permet pas d'ouvrir autant de box qu'on veut, ça permet juste de poser les les box sur la map mais on peut pas se giver de clés ou quoi, donc c'est pas un bug qui est vraiment majeur. Du coup, j'ai mis à jour le plugin et normalement le problème devrait être résolu mais du coup le Laurent là, le Laurent c'est un petit peu un, un petit malin quoi. Mais de toute façon, ça aurait été vraiment étrange si ça avait été un modo ou un admin ou un supermodo qui aurait installé la box dans leur base parce que je veux dire, ils auraient pas eu besoin de bug de duplication, si jamais ils avaient eu un super modo de, de Leur côté, enfin, ça aurait été complètement débile de, de trouver un bug de duplication alors qu'ils auraient juste eu à demander à un supermodo, même je veux dire pour se guiver le, le, le bloc de palladium vert. Pourquoi est-ce qu'ils auraient pas demandé simplement à la personne qui aurait posé la box Donc ce problème est réglé. Voilà, j'ai mis à jour le plugin. Normalement, ne devrait plus avoir de problème. Par contre, par contre, par contre, concernant les BP des autres membres, j'ai rien trouvé. Je me suis téléporté vraiment à toutes les personnes qui étaient connectées de près ou de loin à Laurent que j'ai pu trouver et il n'y avait rien de spécialement suspect dans la zone. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé une nouvelle analyse de map et peut-être qu'avec un petit peu de chance. On tombera sur du nouveau stuff. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines admin series. Sur ce, moi j'ai pas mal de problèmes à régler sur Palladium à cause de ce Laurent là qui est vraiment très relou. Donc je pense qu'on va voir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que cette admin series vous aura plu. Cette admin series, je sens qu'elle va être cool. En tout cas, moi elle m'a bien plu à tourner. Donc j'espère que vous aussi vous aurez autant de plaisir à la regarder. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.